Quand on était enfant, voilà, à l'âge de 13-14 ans, mon père était ouvrier, ma mère était femme de ménage. J'avais pas trop d'idées sur ce que je voulais faire. Hein. À cet âge-là, je pense qu'on pensait bien plus à s'amuser qu'à penser à notre avenir. Et puis à l'époque, il y avait deux directions où on pouvait aller. C'était soit la menuiserie, parce qu'il y avait une grosse entreprise qui s'appelait Provo, et puis donc ou la métallurgie qui était EHAR, parce que c'était des gros employeurs de la région. Donc voilà, c'est un peu comme ça où je suis parti pour faire un CAP de tourneur. Donc, mais pour avoir une idée de ce que j'allais faire quand j'étais enfant, non, j'ai pas eu du tout. Je ne savais pas du tout que je serais devenu tapissier pendant une trentaine d'années. J'ai eu mon CAP de tourneur donc en 74 et je suis rentré tout de suite chez Var parce qu'à l'époque chez Var ils embauchaient donc je suis rentré chez Var en 74, en août 74. Et j'avais travaillé sur un tour chez Var, hein, j'étais au service maintenance. Et à l'époque, dans les années 80, ça marchait pas très bien. Hein, on travaillait pratiquement à mi-temps. Hein, on travaillait lundi, mardi, mercredi, et le reste de la semaine, on ne travaillait pas. Et donc, il y a eu le tapissier de Rouget qui est décédé, monsieur Naturel. Et donc, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. J'en avais un petit peu marre, ça marchait pas très bien chez Var. Je me suis dit, on va peut-être se faire licencier, tout ça. Il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Faut que je rende service aux gens, voilà, par mon travail. J'avais l'impression de servir à rien chez Var. Je me suis dit, faut que je fasse quelque chose pour les gens. Et donc, je connaissais donc un tapissier qui habitait à Brun-sur-Vilaine. Et donc, tout en travaillant chez Var, le jeudi et le vendredi, donc, on ne travaillait pas. Donc, le samedi, donc, j'ai appris le métier chez lui. J'ai fait ça pendant un an. Donc, il m'a formé, voilà, un petit peu comme ça. Je veux dire, j'ai pas de CAP, j'ai pas de BP de tapissier. Je me suis fait tout seul, hein, par les connaissances que m'a donné cet artisan. Et donc, au bout d'un an, il m'a dit, voilà, tu peux te lancer, je pense que tu es prêt à pouvoir te lancer dans la bagarre. Quoi. Et puis donc, je me suis installé en avril 81, donc ça fera 31 ans que je suis installé à Rouget comme tapissier décorateur. Donc voilà, je suis lancé avec des petits moyens. J'ai essayé pendant un an, bon, ça fonctionnait bien, donc, et là j'ai investi dans un atelier où aujourd'hui je travaille depuis 83 quoi, dans cet atelier. J'avais besoin de ça pour m'extérioriser, puis voilà, dire être heureux à faire ce qu'on fait, quoi. J'ai créé mon emploi. Et voilà, donc, sans savoir les études de marché, j'avais pas fait trop d'études de marché. J'étais pas, quand j'ai commencé, j'avais déjà eu quelques commandes, donc je suis parti quand même avec quelques commandes, mais sans savoir dans le temps si ça allait durer. Mais je pense qu'on peut pas non plus dire est-ce que ça marchera encore dans 10 ans, dans 15 ans. On peut pas commencer non plus à s'installer pour dire est-ce que ça marchera toujours dans 10 ans, 15 ans. Moi, je dis qu'il faut pas avoir de regrets, quoi. Quand on a envie, il faut y aller, quoi. Il faut se lancer. Mais alors après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi le fait parce que j'ai pas eu besoin d'investir de gros argent pour pouvoir commencer. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui des métiers, malheureusement, où il faut quand même un minimum d'investissement avant de commencer à travailler. Et ça peut aussi pénaliser l'artisanat qui veut se lancer. Et je trouve que pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important. Moi, je ne demande pas à gagner un gros d'argent, mais je demande à simplement vivre de mon métier. Et puis, le reste suivra. Si j'avais quelque chose à refaire, si j'avais quelque chose à refaire, je pense que je referais sans doute la même chose. Peut-être. Peut-être l'endroit est peut-être pas trop judicieux dans la mesure où je suis un petit peu je suis en zone
et j'aurais besoin d'une vitrine, quoi. Et ça, c'est un petit peu aujourd'hui ce qui me manque, hein. Ce qui me manque, ce qui m'a obligé de sortir de chez moi pour me faire connaître. Ça, c'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est d'avoir une vitrine. Aujourd'hui, je suis dans une zone, alors je suis tranquille, hein, c'est vrai que je suis dans une petite zone artisanale à Rouget, mais il n'y a pas assez de passage, quoi. Je suis pas connu parce qu'il y a des gens qui passent devant mon atelier, quoi. Aujourd'hui, c'est le choix de l'endroit où il faut s'installer, il faut bien réfléchir à ça. Et ça, aujourd'hui, je pense que je me mettrai pas où je suis aujourd'hui, quoi. Bon, déjà quelqu'un qui aime bien déjà travailler seul. Qui met, je pense que c'est important parce que enfin, je prends aujourd'hui mon cas, j'ai pas non j'ai pas du travail pour avoir sur plusieurs personnes, pour commencer à travailler tout seul, donc il faut être habitué à pouvoir se débrouiller seul, hein, faut pas compter sur son petit camarade pour dépatouiller si on a un problème, donc il faut savoir se gérer tout seul. Alors c'est aussi peut-être le fait aussi qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme moi j'ai pas de vitrine, donc il a fallu quand même que je sorte de chez moi pour pouvoir me faire connaître, quoi. Mais pour le jeune qui veut démarrer, oui, il y a du travail, il y a du travail pour celui qui a goût, hein, qui a goût, qui est minutieux, parce que c'est un travail quand même minutieux. Oui, il y a du travail, mais ben voilà, faut se bagarrer. Moi-même, après 31 ans de service, je suis obligé de toujours me bagarrer. Voilà, faut chercher le travail, hein. Il viendra pas tout seul comme ça, il viendra pas tout seul.